Le bonjour et bonsoir, mes chers compatriotes guinéens. Ce lundi 6 avril 2020, je fais cette vidéo pour intervenir un peu sur l'actualité actuelle par rapport à la demoiselle Hadia Idrissa Ba qui a fait une publication hier par rapport aux renseignements qu'elle a reçus de la Guinée. Et je fais cette vidéo pour exprimer mon indignation, ma préoccupation, ma déception de plus, parce que en Guinée maintenant rien ne m'étonne, rien ne me surprend en Guinée. Tout est possible dans ce pays. La petite Hadia Idrissa Ba, elle est née en l'an 2000. Une petite fille qui a vécu dans une famille, si je ne me trompe pas, peut-être polygame ou pas, mais qui a vu ses cousines et nièces se marier à bas âge. Malgré les manques de moyens que la petite là a, malgré qu'elle est d'une référence à son âge, aurait été des filles avoir ce statut en Guinée, dans le monde, elle allait être là à s'habiller, excusez-moi du terme, comme une prostituée, à insulter tout le monde. Mais Hadia Idrissa, déjà, même sa façon d'être, la tête tout le temps, nous sommes des bons musulmans et des bons chrétiens. Et nous savons c'est quoi ces signes. Voir une petite fille de 20 ans qui a la tête toujours couverte et qui est toujours bien habillée, humblement, et qui s'est engagée dans une lutte dont elle n'a pas les moyens financiers ni relationnels, mais elle a cru en elle. Elle s'est engagée. Elle a eu des bonnes personnes qui l'ont portée haut, qui l'ont aidée. Tiken Diafa Koli, qui est l'un des plus grands artistes aujourd'hui, Bambino, ces gens-là ont chanté contre l'excision, contre les mariages précoces. Le rôle que Hadia Idrissa fait aujourd'hui en Guinée, elle joue le rôle de l'État. Parce qu'on a un État irresponsable. Ce n'est pas seulement le régime d'Alpha Condé. On a des leaders, on a des décideurs irresponsables. Je suis peiné quand je vois des Guinéens s'acharner contre cette petite fille. Cette petite fille qui a l'âge, qui a même âge que leurs enfants. Des vieilles femmes sont assises sur Facebook. Des vieux hommes sont assis sur Facebook en s'acharnant sur une petite fille qui se bat pour un combat noble, qui ne fait du mal à personne. Et tu vois d'autres dire que Hadia Idrissa ne condamne pas les petites filles qui tombent enceintes. C'est elle qui met ses filles enceintes. C'est le travail d'Hadia Idrissa de mettre les drones là-haut pour surveiller chaque petite fille dans chaque foyer. Aux États-Unis ici, quelle que soit ta richesse, tu sues une petite fille, tu sors avec elle seulement. Après, il faut la mettre enceinte. Tu vas en prison. R. Kelly, l'un des plus grands artistes au monde, R. Kelly est en prison aujourd'hui. Pour avoir interné et vivre avec des enfants, des enfants précoces, des jeunes filles précoces. C'est le rôle de l'État de mettre les lois, de mettre les règles. Tout le monde sait que chez nous, nous Africains, le mariage est sacré. Tout le monde sait que chez les musulmans, le mariage est sacré. Tout le monde sait que chez les chrétiens, le mariage est sacré. Mais Hadia essaye, Hadia sauve des vies aujourd'hui. Elle sauve l'avenir des enfants, des jeunes filles aujourd'hui. On devrait par contre, même si elle fait des erreurs, la recadrer dans le respect, la respecter et l'encadrer et l'aider à voir l'erreur. Mais pas la lyncher, l'insulter, la dénigrer, comme si c'était, excuse-moi le terme, une fille. Et... Mais quand même, c'est pour cela, moi le Guinéen, rien ne m'étonne. Le Guinéen a un mauvais cœur. C'est pour cela que le Guinéen mérite toujours les mauvais chefs. Les chefs qui les tuent, qui les privent de leur liberté. Les chefs qui les traitent comme des animaux. Sinon, Hadia, on devrait l'aider. Si elle fait des erreurs, on doit la corriger. Mais en l'encourageant. Parce que ce qu'elle fait, ça sauve des vies aussi. Ce qu'elle fait, ça encourage d'autres filles à aller à l'école, à avoir une bonne base. Quand une femme est éduquée, ça permet à une nation de se développer. Même si la fille aujourd'hui, Hadia n'est pas en Guinée. C'est les parents qui ont assisté au mariage, qui lui ont envoyé les informations
Mais si on l'envoie l'information de la fille à 17h30, même quand tu regardes la vidéo de la fille, tu sens, ceux qui sont de bonne foi savent que la fille là, on lui a dit de dire ça dans les vidéos. Elle a dit, même sa façon de parler. C'est pour ça que quand on est précoce, on ne sait pas ce qu'on veut. On ne s'assume pas. Moi qui vous parle là, moi j'ai abandonné l'école à l'âge de 17 ans. 18, c'est à 16h30. Les gens qui me parlaient de l'école, je les insultais parce que j'étais inconscient. J'étais inconscient. Mais quand j'ai eu 21 ans, j'ai ma tante qui m'a parlé. Et j'ai compris. Parce qu'un enfant doit être protégé. Chez nous, en Guinée, en Afrique, on ne protège pas. Adia a 20 ans, elle a le courage, elle a l'audace de faire un combat comme ça. Ce combat-là peut profiter à tous. Parce qu'on pourrait avoir dans l'avenir des jeunes filles bien éduquées, des jeunes filles. Et elle n'est pas contre le mariage. Mais elle veut que ce soit dans la règle de l'art. Parce qu'on n'a pas d'État en Guinée. On n'a pas d'État en Afrique. La moindre des choses, vous l'accusez qu'elle ne condamne pas les filles qui tombent enceintes. Celle qui met ses filles enceintes, allez demander au gouvernement guinéen pourquoi les filles là sont enceintes. Pourquoi le gouvernement guinéen ne poursuit pas les irresponsables hommes qui mettent les jeunes filles enceintes, les jeunes filles précoces enceintes. Pourquoi les familles ne portent pas plainte contre les gens qui mettent leurs enfants enceintes? Mais quand même, pourquoi on n'aime pas les bons Guinéens? À chaque fois qu'on boit un bon Guinéen, on veut le détruire. À chaque fois qu'on boit un bon Guinéen, on veut le détruire. Pourquoi on aime faire ça dans ce pays? Vous pensez qu'avec ça qu'on va évoluer dans ce pays? Vous pensez que Dieu ne voit pas nos cœurs? Vous pensez que... Excusez-moi, je suis en peine. Hein? Il faut quand même, nous sommes dans un pays où chaque Guinéen qui émerge, aidons-le à aller en avant. Expliquez mon cas avec Lamine Guirassy. Quand moi j'ai fait une vidéo pour attaquer Lamine Guirassy, je l'ai fait dans un contexte exceptionnel. Et je ne l'ai pas fait pour nuire à Lamine. Je l'ai même dit dans ma vidéo là. Je dis je respecte son travail et son investissement. Aujourd'hui, Lamine et moi, on cause, on discute. Lamine n'est pas un rancunier. Pour cela, je respecte Lamine Guirassy. Et je le respecterai jusqu'à ma mort. Parce qu'on a su échanger, on a su discuter, on a mis ça de côté, mais il a compris que je n'étais pas de mauvaise foi. Il a compris que je n'ai pas fait ça pour le détruire. Mais j'avais une obsession d'arrêter Alpha Condé pour ne pas avoir un troisième mandat. Une obsession d'empêcher Alpha Condé de tuer des Guinéens. Une obsession d'empêcher la Guinée d'avoir des enfants mourir inutilement. J'avais cette obsession, ce n'est rien d'autre. Donc j'étais aveuglé. Donc je respecte Lamine Guirassy. Parce qu'on a su mettre ça de côté, on discute, on échange et je le respecterai jusqu'à ma mort. Je le dis, je le répète. Moi, je suis une personne, quand je suis dedans, quand je suis pas dedans, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas hypocrite. Et vous me connaissez, ça fait depuis 2017 que je fais des vidéos. Si j'étais hypocrite, vous allez le savoir. Dites à votre État guinéen de prendre ses responsabilités envers les jeunes filles, envers la jeunesse, pour que nous ayons l'avenir dans ce pays. Aya Drissa est une petite fille qui essaye d'éveiller les consciences. Elle ne fait qu'alerter. Elle n'a pas le monopole de la vérité, elle n'a pas le monopole d'être correcte. Elle peut faire des erreurs, mais la moindre des choses, c'est de la rectifier. C'est de la rectifier. Elle est, aujourd'hui, le niveau qu'elle a atteint, vous des vieilles femmes sur Facebook là, des vieux hommes sur Facebook là, vous avez atteint ce niveau? Elle n'a que 20 ans, hein? Elle est en train d'étudier là. Quand elle va finir d'étudier, même si elle ne poursuit pas ses études, elle peut avoir un travail dans un cabinet où elle va vivre jusqu'à sa mort. Elle ne va ni dépendre de l'État guinéen, ni dépendre d'une personne. C'est ce qu'il faut capitaliser. Même la dernière fois, quand on a parlé de ma démission, que je suis allé au RPG, il paraîtrait, on m'a dit, moi, je n'ai même pas vu de vidéo, des Guinéens qui vivent à Bruxelles, qui vivent en Grèce, en Ukraine, qui ont fait des vidéos, sur le monde, c'est un traître, sur le monde, c'est comme ça. Si moi, j'étais un traître, j'allais être là. Vous connaissez qui je suis? Faites des enquêtes sur mon enfance et sur moi-même. C'est-à-dire, j'étais assis, ils sont jaloux de moi, ils sont jaloux de me... J'ai commencé à faire des vidéos pour empêcher le sang en Guinée, pour empêcher Alpha Condé d'avoir le troisième mandat, pour empêcher une crise économique et sociale en Guinée. C'était tout. Mais avec mon cœur, parce que Dieu connaît mon cœur, Dieu m'a conduit à un niveau où les gens sont jaloux. Vous fatiguez pour rien. Moi, je n'ai jamais rêvé d'être politicien. Je n'ai jamais rêvé d'être populaire. Je n'ai jamais rêvé de ça. J'ai toujours rêvé d'avoir ma petite vie. Demandez les gens de Boston. Personne ne me voit. Parce que je me méfie de tout le monde. Mon meilleur ami à Boston, depuis 2010, je suis à Boston, août 2010. C'est mon école, mon travail et ma maison. Je peux faire une semaine, mais je ne sors pas. Tellement que j'ai peur du Guinéen, même mon baptême passé à Conakry, j'ai dit à ma mère et à mon oncle, le petit frère de mon papa, je ne veux pas 10 personnes à mon baptême.
Je ne veux pas plus de 10% parce que je n'ai pas besoin des prédictions des Guinéens. Les Guinéens, c'est des hypocrites. Je n'ai pas besoin qu'on dise que le baptême de Souleymane Kondé, il y a eu 100, 200. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, mon baptême, même moi, seul avec ma femme, ça me suffit, avec le mouton. Parce que je n'ai pas besoin d'hypocrites dans mon entourage. Tu es entouré de 10 Guinéens, les 9 sont hypocrites. Les 9 veulent te poignarder. Les 9 ne t'aiment pas. Pourquoi je vais vouloir avoir des Guinéens à mes côtés? C'est pour cela que je ne veux pas d'amitié. Ça ne m'intéresse pas. Mais tout Guinéen que je verrai sur le bon chemin, je vais t'aider, je vais te féliciter. Si tu fais des erreurs, je ferai ma petite contribution pour te rectifier. Mais je ne veux pas taper dessus pour te dénigrer et pour te détruire. C'est ça les Guinéens. Et vous êtes là, une petite fille qui a l'âge de vos enfants, vous êtes assis sur Facebook, vous n'avez même pas d'avenir. Alpha Condé continue encore à vous couillonner, vous allez voir. Que Dieu bénisse la Guinée. Ayadri Saba, continue ton combat. N'écoute personne. Quand on te donne des informations, ma petite, vérifie l'information et travaille dans les règles de l'art. Ne cherche ni les likes, ni les commentaires sur Facebook. C'est faux. C'est des commentaires hypocrites, c'est des likes hypocrites, c'est des likes love hypocrites. Moi, je te soutiens et les Guinéens conscients te soutiennent. On mènera ce combat ensemble. Après Adjadrissa, il y aura des Guinéens qui vont continuer. Avant Adjadrissa, il y a des Guinéens qui le faisaient aussi. Donc, le mieux, c'est de supporter cette petite et l'aider pour aider notre société à évoluer. Nous ne sommes pas des Blancs. Je ne suis pas là à me comparer à un Blanc. Moi, je suis très, très... Même chez moi, c'est le Malinké qu'on parle. Je suis aux États-Unis, hein. Mon enfant parle Malinké. Je parle Malinké à mon enfant. Moi, je suis très conservateur. Mais de grâce, essayons d'essayons de se comporter en bonne et due forme. N'accusez pas la petite, ne l'accusez pas de... Non, quand même. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie.